Donc bonjour à tous les amis et bienvenue, donc Servant Black. Alors vous allez rire, je vais vous expliquer pourquoi je rigole. Cette vidéo a été, j'ai fait cette vidéo déjà ce matin. Et là on est l'après-midi, il est presque 16h. Et je déteste faire mes vidéos l'après-midi, mais là j'étais obligé parce que j'ai fait la vidéo à 10h30 ce matin. Et cette partie-là n'a pas été coupée, c'est-à-dire quand je vous dis bonjour. Et à 7 minutes de vidéo, ce qui s'est passé, c'est que mon record, c'est un seul et même fichier, hein. C'est pas en plusieurs parties. Et c'est XSplit qui s'en charge. Donc en fait, XSplit, il a rien trouvé de mieux que, à partir de 9 minutes de vide, il a figé tout le reste. Ça fait que dans le logiciel de montage, c'est inutilisable. Le truc est irrécupérable. Je pouvais rien monter. À partir de 9 minutes, bim, ça fractionnait tout seul. Parce qu'en fait, il n'y avait que 9 minutes de viable en fait, sur le projet. Donc en fait, irrécupérable. J'ai essayé tout plein de logiciels jusqu'à maintenant et rien n'a marché. Donc, je vous refais la vidéo au complet, en espérant que cette fois le fichier fasse pas de la merde. De toute façon, si je l'ai upload là, c'est que ça a marché. Et ce que j'ai fait dans Agony, en fait, j'avais avancé. Et bah tout ce que j'ai fait dans la vidéo de ce matin, eh bien, je vais devoir le refaire. En fait, j'ai recommencé le niveau exprès pour pouvoir vous refaire ce que j'ai déjà fait ce matin. Vous voyez le délire? Voilà, donc là, je suis revenu là où on s'était arrêté dans la vidéo numéro 7. Oui, 7. Donc voilà. C'était vraiment pour pas que je... que qu'on saute des parties du jeu. Parce que le principe d'un let's play, c'est que ça suive. Donc si on loupe des... Si je commence à sauter des parties, ça va pas le faire. Donc là, vous, c'est vraiment pour vous les abos et ceux qui regardaient. Parce que moi j'aurais aucune surprise, je sais déjà ce qui va se passer. Par contre, les cinématiques, c'est pas dit qu'ils s'activent. Parce que comme ils se sont activés déjà ce matin. Je ne sais pas. J'ai un doute sur ça. Que nous allons voir, je vous dirai quand est-ce qu'il y en a d'habitude. Enfin, normalement. Donc, vous voyez le tableau par exemple? Je peux pas le charger. Parce que comme je l'ai déjà fait ce matin. Voilà. Je vais activer le point de contrôle quand même. Voilà. Je me rappelle, j'avais été là. Ah, celui-là, je l'avais pas fait, bah tiens. Comme ça nous aura permis de faire un truc. Voilà. Donc après, ce qu'il faut faire... m'en souviens par cœur, hein, vu que ça fait que ce matin que je l'ai fait. Faut attendre que le pont se lève. Complètement. Et là, vous y allez. Il faut courir sa race. Mais comme le perso va pas vite... Ouais, c'est bon, on arrive ici. Et là, le but, ça va être de traverser la porte d'Ishtar qui est juste en face de nous. Donc pour ça, eh ben, on est obligé d'aller à gauche. On va activer ça. Je rush un peu justement parce que je connais déjà ce qu'il faut faire. Donc. Ah là, il y avait une cinématique, vous voyez? À partir de là. Il y avait une cinématique. Comme vous pouvez pas la voir, je vais vous expliquer ce qui s'était passé. En gros, il y a un géant. Quand je dis un géant, c'est un vrai géant. Vous savez, les démons avec les cornes, mais en version géant. Il faisait à peu près toute la taille de la grotte. Et il est sorti. Donc après, il a chopé notre perso. Il l'a jeté tout au fond là-bas, là. Et après, j'ai dû faire course-poursuite avec lui. Après, bien entendu, on l'a semé via des petits passages parce que lui, il passe pas. Et donc après, on s'est retrouvé... ici. Voilà. En gros, vous retournez au point de départ. Après la course-poursuite. Et ce qui s'est passé à la fin de la course-poursuite, c'est qu'en fait, le géant s'est fait buter. Oui, comme une merde. Il s'est fait attraper la tête et il s'est fait buter par une plante géante. Voilà. Ah merde, il y a les araignées là. Ils m'ont pas vu, ça. Donc voilà. Le géant s'est fait buter comme une merde. Ah, bah je peux y aller. Bah oui, parce que ça a sauvegardé ce que j'ai fait de l'autre côté. Donc on va pas s'attarder, hein, tant pis. Hein. Et hop. Ça vous ouvre un passage.
Et là, il y avait une cinématique avec la déesse rouge. Malheureusement aussi, vous ne pourrez pas la voir. Parce qu'elle s'est déroulée ce matin. Et comme ce jeu ne refait pas les cinématiques. Par contre, je ne sais pas si je veux, si je peux vous les faire montrer dans le menu principal. Je vais vous les montrer pour le bien de la vidéo, si on peut. Malheureusement. Bon, bah, les amis, vous n'aurez pas les cinématiques, hein. Bon, en gros, ce qui s'était passé, c'est que la déesse rouge était avec plein de succubes. Hein? Vous savez ce que c'est des succubes? Des meufs à poil, à moitié à poil, quoi. Donc voilà, il y avait plein de succubes autour d'elle, et elle était là, placée comme ça. Et en gros, elle nous a dit d'aller ici. Bon, là, ça m'a crâné. Elle nous a dit de traverser le désert. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué atteindre le désert. Atteindre le désert dans nos objectifs. Et on doit aller au temple d'Ishtar. Donc, on va devoir traverser tout ça. Et donc, j'avais arrêté la vidéo ici. Mais là, le point positif, c'est qu'on va pouvoir continuer. Donc, j'avais fait, à la fin de la vidéo, j'avais fait plusieurs tentatives pour traverser. Et à chaque fois, les fantômes de feu, là, vous voyez, ils m'ont buté. Enfin, soit ils m'ont rattrapé, soit. Voilà quoi. Je peux pas passer en discret, hein, j'ai déjà essayé. Il faut courir dès qu'ils vous voient, en fait. Ah, vous le laissez partir. On laisse partir. Je crois qu'il m'a vu. De toute façon, ils sont très lents. Ils peuvent que vous faire tomber, hein. Oh! Il y a l'araignée qui m'a chopé. Bon, c'est pas grave, on peut la repousser, on peut la repousser. Avec la souris! Si on y arrive. Allez! Voilà, merci. On arrive ici. Donc maintenant, faut tracer. Oh, on est bloqué. Ah bah non. Ce matin, j'avais pas vu ça. Donc là, il y a le pont. Ah, il y a un Onoscalis. Il y a de tout. Ah, il y a de tout, hein. C'est pour ça qu'elle a dit que c'était hyper chaud. La déesse. La déesse elle-même nous dit dans la cinématique qu'un long chemin, un long et difficile chemin nous attend. Donc je pense qu'elle savait de quoi elle parlait. Hein. Et j'ai vite compris pourquoi. Ils sont encore là! Ils sont encore là! Non mais ils vont pas me lâcher. Point de contrôle, vite. Ah. Là, ils peuvent pas venir. Bon, pourquoi je flippe là à partir de maintenant? Parce que je n'ai pas encore fait cette partie-là. J'ai pas été aussi loin. Attendez, je regarde combien on est de vidéos. Ok les amis, la bonne nouvelle c'est qu'on peut faire encore 20 minutes de vidéo. Enfin... Là on a déjà fait 10. Donc on va faire encore... allez... 15-20. Possède un démon ailé et sort de la ville des damnés. Ah, intéressant. Un démon ailé. C'est-à-dire... Moi j'en ai pas encore vu des démons ailés en fait. Oh, regardez tout ce qu'il y avait sur le chemin. J'ai tellement rushé. On s'écoute pas. Eh, ils sont encore là! Mais c'est pas vrai. Tu vas jamais me laisser tranquille en fait. Mais laisse-moi! Mais j'ai... Sérieux, mais... En plus tu crois que ça me fait quelque chose. Ah, il est encore là. Mama. C'est barré. Ok. Ah. Il traverse les murs ou quoi? Oh merde, je suis tombé comme... Grosse merde.
Bon, on va faire ce que le jeu nous dit, ok? Poussé d'un démon, il est... Allez, hop. Quitter le corps. Ah, vous avez le droit à une petite cinématique du coup. Presque. Les démons ailés, là, ils sont où? Je sais pas où aller. Ah, c'est eux! C'est eux! On peut les prendre, on peut les prendre. Ah, magnifique. Par contre, j'ai pas du tout lu ce qu'elle a dit, j'espère que vous avez regardé. Vous. Oh, je suis en feu et j'aime ça. Super. Oh, c'est trop stylé. Oh, c'est trop facile de se déplacer comme ça. La chambre d'Ishtar. On va pas s'attarder dedans. Hein. C'est déjà fini ? Bon, désolé, mon jeu a crash. Enfin, mon jeu s'est réduit. PC comme d'hab. Y'a plus de démons là ? On va en reprendre un. Oh, c'est pas vrai. Je suis bloqué. J'ai la poisse hein, dans cette vidéo en fait. Non, en fait, j'ai la poisse aujourd'hui, tout court. Entre ce qui s'est passé ce matin et ça. Ok, bah tue-moi, c'est pas grave. Allez. Oh là 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 là. Y'a que à moi que ça arrive. Je suis bloqué. Alors que je suis un esprit. Sérieux, quand t'as la poisse, quand une journée démarre comme la mienne, tu sais que ça va être pourri jusqu'à la fin. Avec une envie, c'est d'aller te coucher. Donc, point de contrôle, hein, j'étais obligé. C'était par où? Là, du coup, ils m'ont perturbé. C'était le truc violet. Voilà, ici. Hop là. Elle va redire la même chose, voilà. On va le prendre lui, là. Par contre, après, je sais pas où faut aller. Ils ont dit sortir de la ville des damnés. Donc, oh, what? Ce jeu est hyper bien développé. Hein. Oui, moi je suis venu de là. Oh, en vrai, c'est pas long. Hein. C'est pas long. C'est abusé. Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? C'est pas par là, là. Attends, viens ici, toi, viens ici. Voilà. Je crois que c'est par à droite. C'est jamais ce qu'il faut faire, ce jeu, c'est un truc de malade. Quand on sort comment... Ah, d'accord. Je sors d'ici. Oui, c'est là, c'est là. Oh, non. Ah, j'étais presque au but. Il me lâche comme ça. Comment ça, le royaume déchu? La porte d'Ishtar, mais je suis retourné au point de départ. Non! Ça lui faut un radar. C'est par où? Viens ici. En fait, je perds du temps parce que je sais pas où aller. Plus de temps sur ça en fait dans ce jeu, ça c'est chiant. Donc je parie que ça doit être par là. Je sais pas s'il faut suivre les passerelles ou pas. Voilà, ça dure 2 secondes. Franchement, les démons de feu, c'est de l'arnaque. Hein. Posséder les autres démons, ça dure plus longtemps.
Putain, elle par contre, elle est relou. Elle dit toujours la même chose en plus. Mais... Bon, vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? On va reprendre notre corps vite fait, là. C'est-à-dire lui. C'est plus possible. Voilà. On va regarder où faut aller. D'accord. D'accord. Tiens, je t'en ai mis sec. I tried to talk with them. They have their tongues tied. That whore rules the entire earth now. Il me dit que c'est par là. D'accord. Qui veut que je possède un démon et que j'aille là-bas. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Par contre, venez là. Un enfoiré. Ah, mais il se barre. C'est vraiment des bâtards. Mais... Voilà. Je crois que j'ai compris où faut aller, c'est bon. Normalement, c'est en face. Vous voyez, là, il y a mon corps. Donc là, c'est là-bas qu'il faut aller. Je crois. On va rusher. C'est pas grave. C'est là qu'il faut aller. Ce truc-là m'a l'air bizarre. Comment on passe? Ici, toi. Non, parce que la caméra est obligée d'aller devant. Bref. Ah d'accord. Ok. Et hop là. Oh non, une succube. Putain, qu'est-ce qu'elle veut? Oh, on peut rien faire. Elle nous tient avec quoi en fait? Quoi? Ah, c'est fini! Ah, mais j'aurais su. Ce matin, j'aurais continué jusque-là, mais heureusement que j'ai pas continué parce que ça m'aurait sauvegardé. Donc 1h27 en tout. Hein, 4 morts. Ça va, 4. D'habitude, c'est plus de 10. Par contre, les collectibles, je m'en total bats les couilles parce que ce jeu est hyper mal fait. Donc je vous ai dit, c'est. J'espère que c'est pas la fin du jeu. Pourquoi c'est le bordel, hein? Il prend cher le pauvre. Ah, le jeu n'est pas fini, cool. Ah, il y a des nouveaux monstres. Regardez-moi ça. C'est des Onoskelis avec des ailes cette fois. Oulalalalala. Ça m'a l'air galère. Ne me coursez pas, ne me coursez pas.
Je suis gentil. Je viens en paix. Ouais, ils sont un peu vénères. Qu'est-ce qu'il faut faire? Statue, merci. J'espère qu'ils vont me laisser tranquille là. Hop là. Non, non, non! Est-ce que ça a sauvegardé la statue du coup? Je ne sais pas. Oui. Ça va. Ce jeu est pas totalement débile. Est-ce que c'est ça? Oh. Le mec il s'en bat les couilles. Oh, une statue. Eh, mais ça me pousse sérieux. Eh, c'est pas pour rien qu'elle a eu 6 sur 20. Maintenant je m'en rends compte. J'ai envie de prendre les développeurs là. De prendre leur tête et de les frapper. Je prends une tête de chaque mec. Tous les développeurs, toute l'équipe. Eh, ça a pas sauvegardé celle-là? Ah merde, si. Je me suis fait avoir par un bug graphique. Ce jeu est tellement moche. Ah, on peut pas y aller, bah oui. Bon, c'est quoi? On va se poser 2 minutes. On va servir de cette magnifique touche. Qui s'appelle F. Et puis après on arrête, hein. Déjà vous me lâchez. Allez, il lâche les cadavres dans le vide comme ça. Ah, c'était par là. Ah ouais, mais je peux pas deviner, hein. Y a pas de luminosité. Je pouvais pas le voir. Waouh. Ah oui, petit conseil si vous avez de jeu. J'espère que vous l'avez pas payé cher. Moi pour ma part c'est 14€, donc ça passe encore. Il y en a qui l'ont quand même payé 30. Ça fait mal. Pour une merde pareille. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre la luminosité pratiquement au max. Parce que là, c'est... Déjà qui est dégueulasse si vous mettez sombre. Ah, la pointe de contrôle. Regardez-moi ça, comment c'est moche. Bon. Vu ce que je viens de voir, ça me donne pas envie de continuer. J'espère qu'on va pas l'affronter celui-là. Donc bah le point de contrôle qui tombe à pic, hein, j'ai envie de dire. J'espère que le fichier n'est pas corrompu cette fois, et voilà, je suis content d'avoir attrapé cette petite connerie d'XSplit, parce que c'est pas moi qui l'ai fait, hein, je pouvais pas savoir. Donc voilà, je sais pas si ça le fait qu'avec ce jeu-là, mais bon, comme c'est Agony, ça m'étonnerait pas. C'est un jeu de poissard, en plus d'être moche, et en plus d'être mal développé. Donc voilà. Ce matin, je disais justement qu'il s'est fait défoncer par la presse, mais il a mérité. C'est mérité. J'espère que le développeur a intérêt à se rattraper pour un prochain jeu. Là, je vous le fais parce que franchement, j'étais fan de ce jeu avant qu'il sorte, et c'est pour ça que je l'ai acheté quand même. Et j'ai décidé de vous le faire en let's play, malgré que c'était une merde, et je le savais, même avant de commencer. Donc voilà, faut me lâcher le petit like, même pour, juste pour ça, quoi. Et vous avoue, c'est pas déjà fait. Donc allez, à vendredi pour du Skyrim Out 3D. Ciao. Ciao, jeune merde.